Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision, samedi 5 novembre 2022, en direct et en exclusivité sur Congo Live. Ce matin, nous sommes avec M. Sankara, c'est un militant des droits humains, un activiste en tout cas, des droits humains, voilà, militant de la Lucha. Sankara, bonjour et bonne arrivée. Bonjour messieurs les journalistes. Merci, nous avons en tout cas ce privilège de vous recevoir chez nous en exclusivité. Quelles sont les bonnes nouvelles? Ah, les nouvelles sont bonnes malgré qu'à l'est du pays, ça ne va pas. Mais quand même, la résistance continue. D'accord. On commence par plusieurs actualités qui ont marqué la semaine. On vous a vu parmi les jeunes qui ont bravé la peur, qui ont manifesté en tout cas pour dire non à l'agression rwandaise, pour dire non en tout cas à tout ce qui se passe dans l'est du Congo et aussi afficher un soutien indéfectible aux forces armées de la RDC. C'est quoi ta motivation, M. Sankara? Ben, nous sommes convaincus que le Congo, la RDC, ce n'est que le seul patrimoine qui nous reste. Malgré tous les problèmes que nous pouvons avoir à l'interne, tout ce qui peut être comme difficulté, mais quand il y a l'ennemi, nous tous, nous devons nous unir comme un seul homme. De combattre d'abord l'ennemi qui veut nous diviser, qui veut nous envahir et d'autres problèmes, on va les régler après. C'est comme quand il y a l'entrée du serpent dans la maison, nous tous, on doit voir comment mettre fin d'abord à la vie de ce dernier, puis continuer avec des problèmes internes. J'ai dit, Félix Tshisekedi s'est adressé à la nation. Le président congolais a lancé l'appel à la mobilisation générale et a demandé aux jeunes de créer des groupes de vigilance aux côtés de l'armée congolaise pour défendre la patrie et intégrer les forces armées de la RDC. Ce samedi, à Goma, plus de 80 jeunes, dont 45 filles, viennent de décider d'intégrer l'armée congolaise en répondant à l'appel du chef de l'État. Une séance d'entraînement a eu lieu ce samedi au cœur de Goma. Ça vous dit quoi? Cela continue de nous montrer que tant que nous serons unis comme un seul homme, personne ne sera capable de nous diviser. De notre part, nous, les jeunes de Goma, nous, les activistes, nous, les mouvements citoyens, nous, les groupes de pression, on a commencé la mobilisation générale depuis longtemps. Pour preuve, on était en train de manifester tous les jours dans les différentes rues de Goma pour dire non à l'agression rwandaise à la face du monde. Pour preuve, on était en train de donner des dons de sang parce qu'on était convaincus qu'il y en a plusieurs de nos éléments, de faire de ceux qui sont en train de perdre leur vie tout simplement parce qu'ils manquent du sang. Nous-mêmes, moi personnellement, on a donné du sang pour continuer à soutenir nos FRDC. Aujourd'hui même, d'ici dans les après-midi, nous allons encore commencer notre campagne. Soutenons les FRDC. Nous sommes en train de marcher dans les différents rues de Goma, dans les différents marchés, en train de récolter des vivres et des non-vivres, dans des marchés de Virunga, dans des marchés de Birere, Alanine et Kituku. On continue de faire tout ça pour montrer que nous sommes derrière les FRDC. Tout simplement parce que nous sommes convaincus que aucune armée au monde ne peut vaincre la guerre s'il n'y a pas l'appui de la population, s'il n'y a pas l'appui populaire. L'histoire nous prouve que les États-Unis avaient échoué à la guerre dans les pays de Somalie. Tout simplement parce que le peuple s'est réuni comme un seul homme, malgré tout l'arsenal militaire que les États-Unis pouvaient avoir, mais il a échoué. Et c'est ce que nous aussi, on continue de se mobiliser à la mobilisation générale, de soutenir nos FRDC. La communauté des États d'Afrique de l'Est annonce la reprise du dialogue de Nairobi le 16 novembre prochain et appelle à l'inclusivité du processus, c'est-à-dire la réintégration du M23 qui était chassé de la table des négociations par Kinshasa. Comment vous analysez cela? De notre part, nous en tant que le peuple, cela ne nous arrange pas. Parce qu'il y a eu 100 cities, il y a eu plusieurs dialogues,
qu'on a déjà fait avec les rebelles. Et d'ailleurs, ils font bien le souligner que continuons de réintégrer les rebelles tous les jours dans notre force et de l'ordre, c'est parmi des choses qui continuent de fragiliser notre armée. On est en train d'intégrer des gens auxquels on ne sait pas si ils ont vraiment fait la formation militaire. On est en train de réintégrer les gens qui viendront encore nous trahir plus tard. C'est pourquoi, de notre part, nous en tant que le peuple, on continue de dire qu'il n'est plus temps de dialogue. Nous pensons que les FARDC sont capables de terminer tous ces groupes rebelles. Il suffit juste de les donner des moyens logistiques. Il suffit juste de bien les payer. Il suffit juste de bien les vêtir. Il suffit juste que nous, le peuple, nous mettons derrière les FARDC. L'histoire nous prouve que notre force, qui sont les FARDC, avait fait des exploits à l'époque. Et c'est ce que nous pensons. Aujourd'hui, on peut dialoguer avec les M23, comme on l'a fait encore en 2013. Mais ils vont encore revenir. Nous, on veut le finir avec les M23 une fois pour toutes. Est-ce que vous ne voyez pas qu'au nom de la paix, monsieur Sankara, il faut, parce que ça fait plusieurs années que l'Est du Congo fait face en tout cas à des violences. On est déjà dans les trentaines d'années. Est-ce que vous ne voyez pas qu'au nom de la paix, c'est mieux qu'on passe peut-être à un dialogue? Nous pensons qu'avec les M23, même si on les donne le ciel, même si on les donne tout ce qu'ils veulent, ils n'ont pas la volonté de cohabitation. Ils n'ont pas cette volonté. En 2013, on a dialogué avec ces mêmes aventuriers. On les a promis tout ce qu'il fallait. Ces mêmes aventuriers soutenus par Paul Kagame. On les a donné des commandements dont je suis en train de citer Bosco Ntaganda. On les a donné tout ce qu'ils veulent. On les a donné tout ce qu'ils ont besoin. Mais ils continuent de nous proposer la guerre. Et nous, on dit que peut-être ces gens, ils cherchent autre chose à part le dialogue. Et c'est pourquoi on veut, trop c'est trop, finir avec l'aventure du M23. On ne sera pas en train de fuir tous les jours à Kanyabayonga. On ne sera pas en train de fuir tous les jours à Rutshuru. On ne sera pas en train de fuir tous les jours à Bunagana. Jusqu'à quand? Nous sommes nés dans la guerre et grandir dans la guerre. D'ici là, nous sommes déjà des adultes. On aura encore des enfants. Est-ce vraiment qu'il faudra que nos enfants aussi naissent et grandissent dans la guerre? C'est assez. On veut finir avec cette affaire une fois pour toutes. Et d'ailleurs, chasser Vesa Karega au Rwanda, c'est une chose, mais qui ne nous suffit pas. Il faut aussi déclarer la guerre ouvertement avec le Rwanda. Parce que ce n'est plus un secret que c'est le Rwanda qui est derrière les M23. Nous, on n'a pas encore besoin de faire affaire aux démons. On veut confronter directement le diable. Qui est le Rwanda? On n'a plus affaire aux démons. Nous voulons confronter directement le Rwanda. Et quand vous dites qu'ils font, que le président Tshisekedi déclare la guerre au Rwanda, est-ce qu'on a ces moyens-là de le faire? Parce qu'il ne suffit pas de déclarer la guerre sur les réseaux sociaux, comme je vois les Congolais sont forts dans tous les réseaux sociaux. Quels sont les moyens? Est-ce qu'on a une armée capable de le faire, M. Sankara? C'est le président chinois Mao Tse-tung qui avait dit « La prise de conscience populaire est plus forte que la bombe atomique. » L'histoire nous prouve qu'il y a plusieurs nations qui ont échoué la guerre tout simplement parce que le peuple s'est uni comme un seul homme. Et nous aussi, il est vrai qu'on n'a pas de bombe atomique. Mais notre seule bombe atomique que nous voyons, c'est la prise de conscience populaire. C'est la prise de conscience patriotique auquel nous avons aujourd'hui. Et personne ne peut nous diviser. Je vous rappelle qu'il y a le patriotisme aussi au Rwanda. Alors, nous devons l'éprouver nous tous. Et l'effort va gagner. Aujourd'hui, nous sommes 100 millions de Congolais. On a voulu diviser ce pays depuis longtemps. Mais pourquoi ils n'ont pas encore réussi? Parce que nous sommes unis. Et c'est ce qu'on continue de croire. Et c'est ce qu'on continue de croire qu'on veut finir cette affaire aujourd'hui. Alors, les Congolais ne cessent de se mobiliser du jour le jour derrière les armées, les forces armées de la RDC, donc les FARDC. Selon vous, Kinshasa ne veut pas négocier avec ce qu'il a qualifié de terroristes. L'M23, de leur côté aussi, ne lâche pas. Ils exigent toujours un dialogue.
qu'est-ce qu'on peut craindre dans les jours à venir? Ces mêmes personnes qui sont en train d'exiger des dialogues, eux-mêmes, ils ont comme principe, on négocie pas avec des terroristes. C'est leur principe clair. Alors, ce qu'eux n'appliquent pas chez eux, combien de fois vous avez vu les États-Unis solliciter des dialogues avec Al-Qaïda? Combien de fois vous avez écouté ça? Alors, comment expliquer ce qu'eux n'appliquent pas chez eux, il fait que nous, on applique ça? Ça ne va pas passer. Nous, c'est l'Afrique. Hein? Il n'est pas question d'être africain. Nous tous, ce qui nous réunit, c'est la Convention universelle des droits de l'homme. Nous tous, on a le sang rouge. Si à cette terre, nous tous, on a besoin de l'oxygène pour survivre, et c'est la même chose qui est chez un petit Français. Et c'est la même chose qui est chez un petit Américain qui a besoin de survivre, il a besoin de l'oxygène, comme moi, Sankara, qui est actuellement au Goma, qui a besoin de l'oxygène. Nous tous. Alors, quand vous parlez un peu des Occidentaux, on a vu à Goma, dans la foule, plusieurs manifestants scandaient des chants anti-France, États-Unis. Et on a vu d'ailleurs certains brandir l'effigie du président Poutine. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on ne va pas évoluer à vase clos. Mais nous avons besoin de ce quelqu'un qui va comprendre nos souffrances. Nous avons besoin de ce quelqu'un qui sera prêt de combattre de notre part. Parce que ensemble on est plus fort. Et c'est pourquoi on était en train de brandir des photos de Poutine. Parce qu'avec l'Occident, depuis Moses, ça ne nous a pas servi. Or, Albert Einstein était clair. La folie, c'est de faire les mêmes choses et attendre les résultats contraires. Depuis longtemps, on essayait avec l'Occident. Ça ne nous a pas avantagé. Pourquoi continuer d'essayer avec eux? Laissez-nous essayer avec la Russie. Laissez-nous essayer avec la Chine et d'autres pays. C'est pourquoi on a voulu un peu changer les règles du jeu. Parce que c'est impossible. Parce que c'est anormal de continuer avec les mêmes jeux qui ne nous avantagent pas. 11 millions de morts, c'est déjà trop. Il faudra combien pour qu'on trouve la paix? Il faut changer de jeu. D'accord. Nous tendons vers la fin de cet entretien. Vous êtes quelqu'un, un fils du Nord Kivu, né, grandi dans la guerre. Quelles sont les pistes de solutions que vous proposez, vous, personnellement, pour arriver à mettre définitivement fin à cette guerre? Selon vous, il faut quoi concrètement? Ça fait longtemps. On est en train de nous parler des accords. Les accords que... Est-ce qu'on peut mettre en application ces accords? Bien que les peuples congolais, la population congolaise ne sait pas les contenir. Dire qu'il faut mettre en application ces accords, c'est remplacer une erreur par une bêtise. Ce qui veut dire tout simplement que ceux qui ont signé ces accords qu'on ignore, ils nous représentent mais ils ne nous remplacent pas. Il serait mieux, avant de signer ces accords, de communiquer à la nation. Nous, en tant que vos représentants, nous voulons signer ça et ça et ça. Et puis, nous, en tant que les souverains primaires, nous allons manifester si nous sommes pour ou contre. Je pense que on donne la paix à celui qui veut la paix. Depuis longtemps, on a tout donné. Mais ils n'ont pas encore accepté notre volonté, nous en tant que le peuple. Et votre volonté, c'est quoi? Notre volonté, c'est accepter de qu'est-ce que nous voulons, nous les souverains primaires. Vous voulez quoi concrètement? Nous les Congolais, nous avons aujourd'hui 9 pays voisins. Bien sûr, nous ne sommes pas des sorciers pour vivre seuls. S'ils ont besoin de nos richesses, s'ils ont besoin de tout ce que nous pouvons avoir en RDC, l'or, diamant, aluminium et autres qu'on pouvait avoir. Ils en ont aussi chez eux. Permettez. Ils en ont aussi chez eux. Les statistiques nous prouvent qu'on n'a pas les mêmes quantités de richesses. Là, vous voulez parler alors, de quel voisin? Ce qui veut dire qu'on ne refuse pas de partager ce que nous avons avec nos voisins. Alors, il faut passer par des voies officielles. De signer des clauses, de signer des contrats. Nous, on va vous donner ça. Nous, on va vous construire autant de routes. Nous, on va faire ça.
en contrepartie de ça et ça. Et c'est ce que nous voulons. On ne veut plus des minerais du sang. Et tant qu'ils ne voulaient pas passer par des voies qui sont diplomatiques, des voies qui sont officielles, mm-hmm. et non de signer des accords qu'on ne connaît pas les contenus, mm-hmm. ça ne va pas fonctionner. C'est comme signer l'accord de vendre la parcelle familiale avec un cadet au moment où il y a l'aîné, au moment où il y a un père de famille. Il faut être idiot pour faire ça. Il faut passer par des voies qui sont claires. On ne va pas accepter des accords qui ont été signés par un cadet au moment où il y a l'aîné de la famille, au moment où il y a un père de famille. Parfois, le cadet est responsable aussi que l'aîné. Hein? Même si l'aîné n'est pas responsable, est-ce le père de la famille ne serait pas aussi responsable? Le père de la famille, c'est qui? C'est nous le peuple. C'est nous les souverains primaires. Et c'est ce que nous voulons. D'accord. Pour finir, l'M23 à Kiwanja-Rutshuru, à quelques kilomètres de Goma, il faut le préciser, 70 comme ça. Qu'est-ce qu'on peut craindre pour Goma dans les jours à venir si rien n'est fait? Si rien n'est fait, l'M23 risque encore de prendre la ville de Goma comme ils ont fait en 2012. Et comment expliquer et comprendre cette force, pression, progression, s'il faut le dire également comme ça, de M23? C'est parce qu'il y a eu tant de légèreté. Depuis le camp, depuis quand nous les activistes, dont de la lucha, on était en train de faire la campagne d'OTA des jours. On était en train de compter des nombres de jours depuis que le M23 était à Bounagana. Silence absolu. Et vous, vous faites jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'on a atteint presque 4 mois depuis que M23 occupait Bounagana. Vous... Alors, c'est quand les M23 ont pris Kiwanja Rutshuru et commencé à avancer, c'est là où le gouvernement central a vu que c'est du sérieux et vous... commencé à agir. Et vous, la lucha, vous faites quoi concrètement, à part compter les jours d'occupation de Bounagana? Vous faites quoi concrètement pour aider le gouvernement? Nous, la lucha, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous, la société civile, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Je parle de la lucha, mouvement citoyen pour le changement. Nous, la lucha, qu'est-ce qu'on continue de faire? À l'époque, on appelait ça mouvement anti-Kabila. Aujourd'hui, c'est plus anti-Kabila, je ne sais pas. Vous faites quoi concrètement? On est en guerre. Il faut préciser, la lucha n'a jamais été contre l'individu. On a toujours été contre la mégestion de l'individu qui veut périr toute une nation. Kabila, moi personnellement, c'est une personne qui a aussi le droit de respecter la vie. On ne condamnait pas le Kabila, on condamnait les bêtises que faisait Kabila. Ok, revenons s'il vous plaît à notre sujet. Vous faites quoi? On est en guerre, monsieur Sankara. Nous sommes convaincus que tout le monde ne va pas prendre les armes. Mais quand même, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Parler aux médias comme ça? Mais quand même, il ne suffit pas de parler aux médias. Mmh. On est en train de donner les dons du sang à nos armées. Moi, personnellement, vu l'amour patriotique, j'ai donné deux fois le sang parce que je suis donneur. Or, ce n'est pas conseillé de donner deux fois, des seuls mois. Mais j'ai risqué ma santé, j'ai risqué tout ce qui peut m'avenir pour monter mon attachement patriotique aux FRDC. Ce n'est pas moi seul, il y en a plusieurs activistes, il y en a plusieurs militants de la lucha qui ont fait la même chose. Nous, la lucha, nous continuons toujours de défiler dans les rues de Goma, de récolter ce que nous pouvons avoir. Merci. Et après, dans la semaine, nous allons les amener au front pour montrer à nos FRDC que Bende le Koyate. Merci. Nous tendons vers la fin de cet entretien. On va se quitter par... un message, vous allez regarder ma caméra et lancer un message en tout cas aux forces armées de la RDC, un message de soutien. Ce que nous pouvons dire à nos forces de l'ordre que ce pays nous appartient tous. C'est comme l'équipe de football. Ce n'est pas tout le monde qui garde le filet, le billet et le poteau. Mais tout le monde doit quand même se rassurer que là où il se trouve, que l'ennemi ne puisse pas persévérer à son camp. Vous êtes au front. Nous aussi, on fait la même lutte différemment de vous. L'important est que l'ennemi ne puisse pas nous marquer le but. Vous êtes au front. Nous, on fait la lutte dans la rue. On fait la lutte dans les différents niveaux. Pourvu que le Congo reste un indivisible. Pourvu que Bende le Koyate. Et ensemble, si nous sommes unis, l'ennemi ne va pas nous gagner.
Merci. À la lucha. Merci, mesdames et messieurs. On se quitte par votre numéro de téléphone. Nous avons cette réplique, comme à l'accoutumée. On les fait. Il y a ceux qui peuvent vouloir vous contacter, échanger avec vous, partager des expériences. Je ne sais pas comment ils peuvent vous joindre. Voilà. Notre numéro reste, on n'a jamais changé ça. Mm-hmm. C'est plus 243 097 18 17 et puis 593 à la fin. Merci. Mesdames et messieurs, nous serons à la fin de cet entretien. Vous l'avez aimé, n'hésitez pas, lâchez vos commentaires. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous et partagez les liens, mesdames et messieurs. Je vous fixe rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro. Nous vous disons bye bye. Bye.